Chapitre XIV. Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes, et bâtie en pleine lave sous les rayons du soleil réfléchis par le volcan. Elle s'étend au fond d'un petit fjord encaissé dans une muraille du plus étrange effet. On sait que le basalte est une roche brune d'origine ignée. Elle affecte des formes régulières, qui surprennent par leur disposition Ici, la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine, comme si elle eût manié l'équerre, le compas et le fil à plomb. Si partout ailleurs, elle fait de l'art, avec ses grandes masses jetées sans ordre, ses cônes à peine ébauchés, ses pyramides imparfaites, avec la bizarre succession de ses lignes, ici, voulant donner l'exemple de la régularité et précédant les architectes des premiers âges, elle a créé un ordre sévère que ni les splendeurs de Babylone ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé. J'avais bien entendu parler de la chaussée des géants en Irlande et de la grotte de Fingal dans l'une des Hébrides, mais le spectacle d'une substruction basaltique ne s'était pas encore offert à mes regards. Or, à Stapi, ce, ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté. La muraille du fjord, comme toute la côte de la presqu'île, se composait d'une suite de colonnes verticales, hautes de trente pieds. Ces fûts droits et d'une proportion pure, supportaient une archivolte faite de colonnes horizontales dont le surplombement formait demi voûte au dessus de la mer. À de certains intervalles et sous cet impluvium naturel, l'œil surprenait des ouvertures ogivales d'un dessin admirable, à travers lesquelles les flots du large venaient se précipiter en écumant. Quelques tronçons de basalte, arrachés par les fureurs de l'océan, s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique, ruines éternellement jeunes, sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer, était la dernière étape de notre voyage terrestre. Hans nous y avait conduits avec intelligence, et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore. En arrivant à la porte de la maison du recteur, simple cabane basse, ni plus belle ni plus confortable que ses voisines, je vis un homme en train de ferrer un cheval, le marteau à la main et le tablier de cuir au rein. Sale vertu lui dit le chasseur. Goddag, répondit le maréchal Ferrand en parfait danois. Kirkoerte, fit Hans en se retournant vers mon oncle. Le recteur, répéta ce dernier. Il paraît, Axel, que ce brave homme est le recteur. Pendant ce temps, le guide mettait le Kirkoerte au courant de la situation. Celui ci, suspendant son travail, poussa une sorte de cri en usage sans doute entre chevaux et maquignons, et aussitôt une grande mégère sortit de la cabane. Si elle ne mesurait pas six pieds de haut, il ne s'en fallait guère. Je craignais qu'elle ne vînt offrir aux voyageurs le baiser islandais mais il n'en fut rien, et même elle mit assez peu de bonne grâce à nous introduire dans sa maison. La chambre des étrangers, me parut être la plus mauvaise du presbytère, étroite, sale et infecte. Il fallut s'en contenter. Le recteur ne semblait pas pratiquer l'hospitalité antique, loin de là. Avant la fin du jour, je vis que nous avions affaire à un forgeron, à un pêcheur, à un chasseur, à un charpentier et pas du tout à un ministre du Seigneur. Nous étions en semaine, il est vrai peut-être se rattrapait il le dimanche. Je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres qui, après tout, sont fort misérables. Ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule et perçoivent le quart de la dîme de leur paroisse, ce qui ne fait pas une somme de soixante marques courants. De la nécessité de travailler pour vivre, mais à pêcher, à chasser, à ferrer des chevaux, on finit par prendre les manières, le ton et les mœurs des chasseurs, des pêcheurs et autres gens un peu rudes. Le soir même, je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas la sobriété au nombre de ses vertus. Mon oncle comprit vite à quel genre d'homme il avait affaire. Au lieu d'un brave et digne savant, il trouvait un paysan lourd et grossier. Il résolut donc de commencer au plus tôt sa grande expédition et de quitter cette cure peu hospitalière. Il ne regardait pas à ses fatigues, et résolut d'aller passer quelques jours dans la montagne. Les préparatifs de départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapi. Hans loua les services de trois Islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages, mais une fois arrivés au fond du cratère, ces indigènes devaient rebrousser chemin et nous abandonner à nous-mêmes. Ce point fut parfaitement arrêté. À cette occasion, mon oncle dut apprendre au chasseur que son intention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. Hans se contenta d'incliner la tête. Aller là ou ailleurs, s'enfoncer dans les entrailles de son île ou la parcourir, il n'y voyait aucune différence. Quant à moi, distrait jusqu'alors par les incidents du voyage, j'avais un peu oublié l'avenir, mais maintenant je sentais l'émotion me reprendre de plus belle. Qu'y faire Si j'avais pu tenter de résister au professeur Lidenbrock, c'était à Hambourg et non au pied du Sneffels. Une idée, entre toutes, me tracassait fort. Idée effrayante, et faite pour ébranler des nerfs moins sensibles que les miens. Voyons, me disais-je, nous allons gravir le Sneffels. Bien. Nous allons visiter son cratère. Bon. D'autres l'ont fait qui n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, si ce malencontreux Saknussemm a dit vrai, nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan Or, rien n'affirme que le Sneffels soit éteint Qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas De ce que le monstre dort depuis 1229, s'ensuit-il qu'il ne puisse se réveiller Et s'il se réveille Qu'est ce que nous deviendrons? Cela demandait la peine d'y réfléchir, et j'y réfléchissais. Je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption. Or, le rôle de Scorie me paraissait assez brutal à jouer. Enfin, je n'y tins plus je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible, et sous la forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable. J'allai le trouver, je lui fis part de mes craintes, et je me reculai pour le laisser éclater à son aise. J'y pensais, répondit il simplement. Que signifiaient ces paroles? Allait il donc entendre la voix de la raison? Songeait il à suspendre ses projets? C'était trop beau pour être possible. Après quelques instants de silence, pendant lesquels je n'osais l'interroger, il reprit en disant J'y pensais. Depuis notre arrivée à Stapi, je me suis préoccupé de la grave question que tu viens de me soumettre, car il ne faut pas agir en imprudent. Non, répondis-je avec force. Il y a six cents ans que le Sneffels est muet, mais. Il peut parler. Or, les éruptions sont toujours précédées de phénomènes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays, j'ai étudié le sol, et je puis te le dire, Axel. Il n'y aura pas d'éruption. À cette affirmation, je restai stupéfait, et je ne pus répliquer. Tu doutes de mes paroles? dit mon oncle. Eh bien, suis moi. J'obéis machinalement. En sortant du presbytère, le professeur prit un chemin direct, qui, par une ouverture de la muraille basaltique, s'éloignait de la mer. Bientôt, nous étions en race campagne, si l'on peut donner ce nom à un amoncellement immense de déjections volcaniques. Le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes, de trappes, de basalte, de granit et de toutes les roches pyroxéniques. Je voyais çà et là des fumerolles monter dans les airs. Ces vapeurs blanches, nommées Raikir en langue islandaise, venaient des sources thermales, et elles indiquaient par leur violence l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait justifier mes craintes, aussi je tombais de mon haut quand mon oncle me dit Tu vois toutes ces fumées, Axel Eh bien, elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. Par exemple, m'écriai je. Retiens bien ceci, reprit le professeur. Aux approches d'une éruption, ces fumerolles redoublent d'activité pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène, car les fluides élastiques, n'ayant plus la tension nécessaire, prennent le chemin des cratères, au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe. Si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, si leur énergie ne s'accroît pas, et si tu ajoutes à cette observation que le vent, la pluie ne sont pas remplacés par un air lourd et calme, tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais assez. Quand la science a prononcé, il n'y a plus qu'à se taire. Je revins à la cure, l'oreille basse. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. Cependant, j'avais encore un espoir. C'est qu'une fois arrivé au fond du cratère, il serait impossible, faute de galeries, de descendre plus profondément, et cela en dépit de tous les sacnusem du monde. Je passai la nuit suivante en plein cauchemar au milieu d'un volcan, et des profondeurs de la Terre, je me sentis lancé dans les espaces planétaires sous la forme de roches éruptives. Le lendemain, 23 juin, Hans nous attendait avec ses compagnons, chargés de vivres, des outils et des instruments. Deux bâtons ferrés, deux fusils, deux cartouchières étaient réservés à mon oncle et à moi. Hans, en homme de précaution, avait ajouté à nos bagages une outre pleine qui, jointe à nos gourdes, nous assurait de l'eau pour huit jours. Il était neuf heures du matin. Le recteur et sa haute mégère attendaient devant leur porte. Ils voulaient sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte aux voyageurs. Mais cet adieu prit la forme inattendue d'une note formidable, où l'on comptait jusqu'à l'air de la maison pastorale air infect, j'ose le dire. Ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à un beau prix son hospitalité surfaite. Mon oncle paya, sans marchander, un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelque Rixdal. Ce point réglé, Hans donna le signal du départ, et quelques instants après nous avions quitté Stapi.